Mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour. Petite vidéo très rapide, juste pour vous montrer un peu ce que j'ai pu récupérer ce week-end. Alors, cette jeune fille, oui, je vais l'appeler comme ça au moins elle sera contente, m'a offert énormément de jeunesse. Donc, des jeunesses de son enfance, et vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est beaucoup de nostalgie pour elle. On a fait une petite soirée hier, et c'est vrai que ça lui a fait vraiment très plaisir, quoi, de rejouer à ces jeux. Enfin, même moi, ça m'a surpris parce que c'est une fille qui est pas du tout jeu vidéo, et en fait, elle se souvient encore de détails qu'il y avait dans certains jeux qu'elle avait kiffé quand elle était jeune. Et vraiment, moi, ça me fait plaisir qu'elle m'offre tous ces jeux. Parce que bah, voilà quoi, c'est des jeux de son enfance, et ça lui a rappelé beaucoup de souvenirs. Mais en tout cas, voilà, je te remercie du fond du cœur, mademoiselle, jeune fille, de m'avoir offert tous ces jeunesses. Donc maintenant, sans plus tarder, on va commencer parce que je suis limité à 15 minutes et j'ai pas envie de trop tarder sur la vidéo. Je vais juste vous dire le type du jeu et je vais vous passer le jeu, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps si je rentre dans les détails. Peut-être juste préciser un petit peu sur les jeux que je connais, mais en tout cas voilà, je vais essayer de la faire très 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 rapidement. Alors, premier jeu en question, Dream Master, jeu de plateforme. J'ai testé très rapidement, les graphismes sont assez jolis, les musiques aussi. Le gameplay est assez bon, mais il me semble qu'il est un peu difficile. De toute façon, je vous ferai des vidéos hein, sur tous ces jeux. Je vais essayer de vous faire des vidéos maintenant que j'ai une NES avec une prise RCA. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire tous ces jeux en vidéo. Le second jeu, donc, Rygar. Ça, c'est un jeu que j'avais joué quand j'étais jeune. Bon, j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs sur ce jeu-là. Alors, c'est un jeu d'action. Action plateforme, je vais l'appeler comme ça, action plateforme, au graphisme plutôt archaïque, hein, mais le jeu est quand même sympa. Alors ça, vous connaissez tous, Mario Bros, hein. Ça aussi vous connaissez tous, Mario Bros Duck Hunt. Celui-ci, vous connaissez certainement, Double Dragon, énorme, hein, beat'em up ou beat'em all, avec une OST de malade mental. Un gameplay un peu archaïque pour un beat'em up ou un beat'em all, mais vraiment c'était le premier jeu du genre à l'époque et moi j'avais vraiment kiffé quand j'étais jeune. Buret Fighter, alors ça aussi c'est un jeu que j'avais connu moi sur Game Boy et après un peu plus tard sur la NES. C'est un shoot'em up, shoot'em all. Vous contrôlez un personnage qui peut tirer, je crois, dans 4 directions différentes, en haut, en bas, à gauche ou à droite, et donc vous avez un défilement horizontal et vertical. Et vraiment, le jeu il est super bon, quoi. Les musiques sont bonnes, le gameplay est bon, hein, parce que vous avez justement cette particularité, hein, et du coup, il faudra un peu gérer les sens. Ça sert un peu comme dans... merde, c'est quoi ce jeu-là, ce Dreamcast, Under Defeat, hein. C'est un peu la même chose, et bah, je vous conseille à 100%, quoi. Buret Fighter, il est aussi également sorti sur Game Boy. Ah, Mega Man 2, classique, énorme. J'ai joué à ce jeu hier aussi, putain, mais... Voilà, ça me fait vraiment très plaisir, quoi. Mega Man 2, pff, une tuerie. Power Blade, je connais pas du tout. J'avais vu une vidéo très longtemps, je crois c'était Barbichetif qui l'avait fait. Et bah, apparemment c'est un jeu de... Enfin, d'après mes souvenirs, hein, parce que j'ai pas encore essayé, c'était un jeu de action plateforme, voilà, action plateforme comme Mega Man, quoi. Et vous contrôlez un personnage qui balance des boomerangs. Enfin, voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas rentré dans les détails parce que je connais pas plus le jeu. Alors celui-là, je le connais de nom, mais j'y ai jamais joué de ma vie. Donc je sais qu'il coûte une blinde sur internet. Gargoyle Quest 2. Donc moi j'étais surpris. Elle m'a montré ce jeu, je me suis dit putain, mais t'as un jeu comme ça, truc de fou quoi. Qu'est-ce que tu faisais avec un jeu comme ça? Bon, en tout cas, elle m'a dit qu'elle aimait pas le jeu, hein. Elle aimait pas du tout le jeu, hein. C'est pas un jeu qui l'a marqué quand elle était jeune. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez tous Gargoyle Quest, Demon Crest. Donc lui, je crois que c'était le premier opus. Non, bah, c'est le second opus sur la NES. Le premier, il est sur la Game Boy. Et le troisième, donc, il est sur la Super Nintendo, Demon Crest. Donc RPG, action, aventure. Enfin, action, aventure avec des notions d'RPG. On va dire ça comme ça. Ou pas comme ça. Je connaissais grâce à un très célèbre youtubeur, hein, je vais pas rentrer dans les détails aussi, Captain Planet. Voilà, Captain Planet. Ça aussi, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'elle fout avec des jeux comme ça, quoi. Moi, je croyais qu'elle avait des trucs classiques. Alors celui-là, je le connaissais pas parce que j'ai vraiment pas joué quand j'étais jeune, mais je me rappelle il y a très très longtemps, je crois il y a 2 ou 3 ans, on avait fait une session sur la Xbox première génération avec un émulateur. C'était Snake Rattle and Roll. Bah, il est vraiment cool, il est vraiment cool.
3D isométrique, vous dirigez donc deux serpents qui doivent bouffer des petites boules. Et en fait, voilà, c'est de la 3D isométrique plateforme. Et en fait, vous devez récupérer, je crois, si mes souvenirs sont bons, une fusée qui vous permettra d'aller dans un... Ah non, non, c'est pas une fusée. Il faut passer des portes, manger des petites boules, passer des portes, se peser vers une balance pour pouvoir ouvrir la porte, pour passer au niveau suivant. Et c'est vrai que graphiquement, franchement, c'est une tuerie, quoi, quand même. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis il y a des petits trucs, des petits détails qui faisaient que le jeu il était. Parce que dans l'eau, il y avait une sorte d'aileron, on savait pas trop si c'était une baleine, un requin qui vous bouffait et tout. En tout cas, je vous conseille à 100%, il est vraiment très 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 bon. Snake Rattle in a Roar. Je crois qu'il y a une suite sur Mega Drive, ou peut-être un remake sur Mega Drive. Bon, celui-là, vous connaissez tous. Teenage Mutant Hero Turtle Ninja. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails. Alors celui-là je connaissais pas du tout, on a signé l'autre jour, c'est un jeu qui a été fait par Capcom, Disney Adventure et The Magic Kingdom. Alors ça s'assimile un petit peu je crois à de l'aventure RPG. On n'est pas rentré, enfin moi j'y suis pas allé plus en profondeur quoi, donc je vais pas vous dire s'il est bien ou pas. En tout cas c'est fait par Capcom et Capcom c'était gage de qualité à l'époque, donc je vais regarder et je vous dirai si c'est bien ou pas bien. Ensuite, il reste plus que ça. C'est bon, j'en suis à 8 minutes, c'est cool. Rainbow Island, vous connaissez tous. Donc c'est de la plateforme avec un petit bonhomme qui balance des arcs-en-ciel. Et je crois qu'il est sorti sur Master System et d'autres plateformes de l'époque. Voilà. En tout cas, l'image est vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'image est vraiment très 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 cool. C'est tout mignon. C'est vraiment tout mignon. A Boy and His Blob. Alors... Moi, j'ai été curieux, donc toujours hier, hein, j'ai été curieux, j'ai quand même essayé ce jeu qui me disait mais vraiment rien du tout. Moi, j'ai envie de dire que ça s'assimile un petit peu à un point and click, même si c'en est pas, parce qu'il y a énormément d'énigmes. En fait, vous allez contrôler le garçon, et donc il y a une sorte de machin gluant qui vous suit à l'arrière, enfin, qui vous suit tout le temps, quoi. Et ce qui se passe, c'est que si vous le donnez un bonbon, en fait, il va se transformer en objet. Et du coup, vous avez plusieurs types de bonbons qui va vous permettre de le faire transformer en plusieurs objets. Vous aurez, par exemple, un trampoline. Vous aurez, par exemple, aussi, je sais pas moi, un pistolet, un extincteur et tout, etc. Et c'est quand même assez particulier. Mais bon, là, vraiment, il faut réfléchir. Et du coup, je suis pas resté longtemps dessus. En tout cas, moi, je pense que je vous ferai certainement une vidéo parce que il m'a l'air quand même très intéressant. Après, graphiquement, tout ça, c'est un peu archaïque, mais vous verrez bien. Alors, Parasol and Star, Rainbow Island 2, donc la deuxième version de Rainbow Island. Celui-là, je ne le connaissais pas, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas si c'est vraiment la même chose que le premier. Moi, ça me fait vraiment plaisir, je vous ferai une vidéo, je pense, certainement. Et là, toujours, hein, l'image qui est vraiment cool, tout mignon, tout beau. J'adore, quoi. J'adore. Taito, en plus, gage de qualité aussi, Taito. Voilà. Maniac Mansion. Voilà, Maniac Mansion, LucasArts, c'est sorti sur PC, sur toutes les plateformes de l'époque, hein, tous les ordinateurs de l'époque, MS-DOS, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, je crois aussi, hein, aussi, j'en suis pas sûr, mais voilà. En tout cas, ce jeu, il est vraiment sorti pratiquement sur toutes les plateformes. Un classique, hein, avec une histoire assez particulière, où vous allez incarner des adolescents, et en fait, il faudra vous échapper de la maison, hein. C'est assez particulier, mais il est pas mal, hein, il est vraiment pas mal. Et enfin, pour finir, donc, The Simpson, Bart Vest de Space Mutant. Bon, celui-là, vous le connaissez tous grâce à un certain YouTuber, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc j'en ai fini. Donc encore une fois, merci à toi, jeune fille. Et donc, je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à toutes. Ciao, ciao.